Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, quand il adresse avec ban qui croit dans lui et que les jours du jugement, il amène une personne comme l'exemple afin qu'il nous suive lui. Paul dit à nous, « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawm al-akhir » Certainement de la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un de ben plus bon exemple à suivre pour celui qui croit dans Allah et que les jours du jugement. C'est l'exemple, chers frères, il n'y a pas seulement de ben action spirituelle qui nous dit ben ibada. C'est l'exemple, chers frères et sœurs, l'ipavinzis en deux mots de salat, dans hajj, dans faire tel ribada. Mais il retourne aussi de ban muamalat qui nous dit ban transaction. De sous la case, envers sous ban compagnon, de la société, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, quand dit à nous par exemple, wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Et tout quelque chose nous fait une détail. De Sourate 17, Sourate Isra. Quand Allah peut dire à nous ça, il fait cause concernant la nuit et les jours. Il fait nous connaître qui s'est promis ban signe Allah. Il explique nous comment la nuit allait, les jours venir. Ensuite, il dit à nous qui fait l'inmetli pour nous connaître radada sinina wal hisab, le nombre d'années et pour nous faire le compte. Ensuite, à la fin, il dit à nous wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, et tout quelque chose nous vient détailler. Pareil comme ça même, il dit à nous ma farratna fil kitab min shay, nous pas oublier non de ce livre là. Dès là, Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie un livre vers nous. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec nous comme un exemple pour nous vivre avec ce qui est dans le Coran. Parmi les leçons qui nous tirent pour aujourd'hui, chers frères, les temps nous peut dire Coran, parmi les quelque chose qui tous les temps nous connaît. C'est par exemple dans surat Takwir que Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous wa ma sahibukum bimajnoun. Votre compagnon n'est pas fou. Qui fait Allah peut dire à nous ça? Parce qu'il nous connaît que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous connaît que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il y a un poète. Nous connaît que Rasul sallallahu alayhi wa sallam bana ti pe djali yen sosie ve dje bantas ki vin le ouli tout ça là l'entendé be qui fait allem je dje nous tout ça là qui fait les sites ban titre li suffit li dje nous en tant qu'un prophète li pou gagne difficulté. Mais seulement les détails pour nous de ces difficultés, c'est qu'il y a une bonne mauvaise parole. La question qui nous posait, Ya Rasulallah, est-ce que cette bonne parole-là fait l'effet de toi? La réponse, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous de surah 6, surah Al-An'am, à partir de l'ayat 32. Comment Allah répond-nous ça? Il commence de loin pour dire nous wamal hayat ad-dunya illa la'ib wa lahw. Lui ça la vie le dunya là, il simplement un jouet. Il simplement un kitcho inutile. Ça ayat là qu'on peut descendre. Premier qui recevoir ça c'est qui ça là? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ça ayat là premier là. Il y a un rappel. Ça la vie qui m'a donné tant d'importance là, un juif, hein? Veut dire qu'il y a un lien fini. Veut dire pas de tout qui gagne là-dedans. Parce qu'il y a un juif. Sans compter qu'il y a un juif, c'est rien qui est inutile. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ce prophète. Pourtant, il y a un prophète.
وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mais seulement ça, la vie de l'au-delà là. Veut dire quand on quitte ça, la vie là, ça meilleur. Ça meilleur. Ici là, Allah subhanahu wa ta'ala pas mis une comparaison là direct. Mais il termine par réflexion. Connais ici là, il y a une joie ça. Ensuite, il dit à nous, ça qui meilleur là côté. Ça qui vient après là. L'état Rasoul sallallahu alayhi wa sallam recevoir sa ayat là, peut dire lui, la vie dunya, tout de suite Allah subhanahu wa ta'ala dit lui, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Oh Muhammad, certainement nous connais, sa bonne parole je te peux dire lui, toi là, fais-toi triste. Fatigue-toi. Chers frères et sœurs, quand vous pratiquez l'islam, c'est pas où qui vient la faute là. C'est qui ça n'a? C'est sa dîme qui vous prend là qui vient dans ben notre objectif là. Ça qui vous besoin comprendre. Veut dire te pour dans n'importe qui place, dans n'importe qui moment, à n'importe qui lire. Comme on a connu toi un musulman, mais pour bien quelque chose contre toi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit fa innahum la yukadhibunak. Oh Muhammad, je ne peux pas démentir toi. Veux dire, je ne problème pas avec ta personnalité. Tu es un bon dimoun, toi. Je te connais. Tu es un dimoun de confiance. Mais seulement le fait que tu es un musulman. Là, là, non. Ça, là, là, non. C'est une réalité qui nous vive. Aujourd'hui, quand vous êtes un extrémiste, vous finissez de connaître qui religion peut venir après. Aujourd'hui, quand vous êtes le mot terroriste, vous finissez de connaître qui religion peut venir après. Pas besoin parfois, vous avez besoin juste aux médias. Parfois, de famille même. Parfois, de famille même. On essaye sans ou la vie, ailleurs tu commences à venir comme un extrémiste là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il finit prêt pour toi. Par l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui au fait, sa bonne parole là, oui, il vous fatigue toi. Mais son remède c'est quoi? Son remède c'est qui? Haine. Imaginez ça la vie d'un yana qui va l'ayer dans l'os. Mais les autres causés? Les autres causés. Tu n'as pas ni de famille, tu n'as pas ni de voisin, tu n'as pas ni de travail, tu n'as pas ni de la société. Les autres causés. Ensuite, ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُ اللَّهِ. Ô Muhammad, avant toi, c'est comme les prophètes banen les mentisent. Banen me tasse les yeux. Veut dire qu'on peut cause avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est à ça qu'on vient vers nous là. Avant nous. Qui a des problèmes qu'on peut gagner dans la société? Quand c'est promotion ou pas gagner comme ça? Quand c'est taille code banen taille ou code dans la vie? Ou peut cause nous qui passe là-dedans là? Avant nous, on peut venir comme ça? Ces principes de une personne quand il dit la ilaha illallah. C'est le principe là ça. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Pas pour blâme toi non rien. Pas pour dire toi si pas toi arrogant, si pas toi gros noir, si pas toi roule l'auto, si pas toi mal porqué. Zis la cause de tout l'équipe et la ilaha illallah. Ça même problème là. Ça même problème là. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, ban qui avant nous, hatta ouzo. Est-ce qu'à même tu peux faire du tout? Quand on lit sa ayat là, ayat 34 de Sourate Al-An'am, on pose la question, à qui point, en tant qu'un musulman, en tant qu'un croyant,
Moi capable gain difficulté. À qui point? Papa donne une patente? Ça? Papa donne toi travail? Pour toi pas gain travail de gouvernement? Qui te veut quoi? Ça qui appelle problème? Chef frère, Mazin Khabbab. Khabbab. Khabbab radiyallahu anhu. Li vin vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam puis assisé avec l'ombrage Kaaba. Il dit hier Rasoul Allah ou puis assisé nous avons une difficulté. Fais doa pour nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit fais ce prix, c'est comment? Avant eux. Tiens, il y a un qui peut mettre 10 dollars de sable. Tu peux dire aux autres, si vous ne renoncez pas là, il y a illallah. Coupe zot la tête avec l'ensor. Et dans zot la tête, tu peux couper. Frère, s'il met sa patente, sa travail là devant moi, il dit, moi, si tu ne pas renoncer, je taille patente là. Il va faire, pas taille mon patente. Moi, dans les enfants, vous soignez. Une patente, qu'a fait mon van modine, moi? Une patente, qu'a fait mon van modine? Là-bas, sur la vie. Dieu, si tu ne pas renoncer, nous coupons la tête. Ligue-t-li, Dieu, là, il a rien là, coupe sur la tête. Nous pouvons regarder des difficultés, là, frère? Chers frères et sœurs, résultat, récompense. Pour où ça, y est, ça dit, non, c'est Djanna. Djanna, peine qui est facile de gagner ça. Djanna paradis. Il n'y a pas une chose facile à gagner. Parce que Khabbab, c'est lui-même que Omar radiallahu anhu, de seule époque, quand il est calife, il réunit les Sahaba Quraysh qui sont dans Makka. Il dit, nous raconte maintenant, je veux dire, dans Madina, qui a des difficultés, nous tu peux gagner. Au ban Quraysh. Chef frère, c'est lui par cause du tout. Les islèves sur l'inze, les vieux sur les deux, les montrent les autres. C'est lui qui le prophète Indjali te peut presser. Les islèves sur l'inze, les vieux sur les deux, les montrent les sahaba. Omar radiallahu anhu, les amis m'ont trouvé les deux comme ça. Elle comprend qu'il a gagné. Elle comprend qu'il a gagné. Azodi, pour un oui, pour un non, nous diviser, frère. Point oui, point non, nous diviser. Papa dit, où la cause qui chose non, la cause dit même. La cause au bonnet, la cause au mazid qui lui fait un amas, la cause ça, mais mon reste qui ça qui te peut faire vivre un problème d'ordine? Problème d'ordine, et n'a dit, moun zot les deux, tu pas reconnaître si pas les deux ça, ou bien la cause que tu aussi ça. Si tu as un amour clou là. Vous connaissez qu'il y a le problème d'ordine, frère. Parce que ça ban problème là, tu peux venir avec ban qui peut comprendre, Djanna c'est une petite chose qui n'est pas facile pour gagner. Quand nous venons avec nous din en pratique et nous connaissons que nous étions, Allah pour avec nous. Combien de problèmes de nous la vie nous fait face? Nous ne restons aussi seulement, frère. Nous ne restons aussi pour Allah. Un mot? Un petit din? Nous vivons là. Mais c'est là qui vous pensez une tiaou. Ou effort, ou l'intelligence, ou bien c'est Allah qui nous tient nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, wa ma bikum min ni'matin, fa min Allah. Peut n'a aucun faveur, excepté les vins depuis Allah. Quand nous tenons sa ayat là, tous les temps, nous avons une faveur qui a l'un de nous. Oui, il y a des enfants, des enfants, une réussite, des enfants, des enfants, des enfants. Avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Afaghayra Allahi tattaqoun » Apporte un lot, apporte Allah qui te content. Un lot, apporte Allah qui te pire. Un lot, apporte Allah qui te donne l'espoir. Un lot, apporte Allah qui te donne un souhait. Un lot, apporte Allah. « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » Mais n'importe qui fait faire, qui te gagne, c'est depuis Allah. Ça bout de la vie avant, frère. Juste pour me comprendre, ça fait faire qui m'ont gagné, m'ont sorti de mon problème là. C'est là qui amène ça. Allah, tout le temps, il est là pour nous, frère. C'est ça, dina, lui-même qui choisit ça pour nous. Pas cachette-lui. Pas payer pour vivre-lui au clair.
Pas prier pour faire connaître moins de celui qui est dans l'iman. Pendant que vous cachez là-dedans. Quand ces difficultés te pensent, tu peux garder de moi. Mais c'est le moment que je connais qui me rend dire Alayhi sallallahu bika fin habda. Allah subhanahu wa ta'ala, pas suffit pour son serviteur. Comme on développe dans moi, Allah suffit pour moi. Chef, c'est moi pour cette personne-là. Get Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous. Wa yukawifunaka bil ladhina min duni. Je peux faire toi pire. Pour ça qui plie bas. Je peux faire toi pire pour Allah. Pour qui je peux faire toi pire? Menace. Pour qui je peux faire toi pire? Mais toi, des lieux de travail. Pour qui je peux faire toi pire? Tes enfants. Min duni. Plie type, je peux faire toi pire. Je peux faire toi pire pour Allah. Mais toi, tu es là. Si tu es là avec ça, tu es bien pire. Je préfère sortir de sa coquille qui nous était là. Qui coquille? C'est qui nous pas montrer nos vraies identités, qui m'a dit l'islam vient avant le tout. Après les restes secondaires. Mon iman, mon la foi, il vient avant tout. Après les restes venus, frère. Prends n'importe qui dimoun, n'importe qui président, prends un petit guide de loin. Prends l'île en l'année 67. Prends-le bien avant quand même. Quand on trouve un président de pays ou bien un premier ministre vini, ou bien là, Macron, ce bon bodyguard à côté, on dit qu'il y a un coup de zèf, il y a ce bon bodyguard, pas moi qui fais cette interview, pas moi qui traîne zèf. Elle comprend qui s'en a qui choisit zèf. Il n'y a pas de prothèse contre ça, claque là, c'est moi. Il n'y a pas de trouve claque là, vini de loin. Wallillahi al-mathalul a'la. Et pour Allah, plus grand l'exemple. Chers frères, quand nous pouvons lire, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, Inna Allah yudafiru anil ladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre ban kina iman. Subhanallah, qui m'a besoin plus que ça? M'a besoin de bodyguard, moi? Quand un qui ken, avec bodyguard, il y a une menace. Comment il rentre de l'auto? Maintenant que tu connais ça, n'as-tu pas? Connexion qui n'a pas vu. Tu peux pire, malin. Tu n'as 10 bodyguards, tu peux pire. Tu peux pire. Veux dire, tu peux na confiance, l'eau. L'eau, maintenant, la cause, tu peux pire. Mais un qui n'a iman, qui s'en a qui peut défendre lui. Allah, frère. Quand on résiste au outil de sa coquille là, mon vivre, mon travail, dans la case. Dans le travail, dans la société, le chemin, comme on a connu ça, qui est iman ça. Mais qui veut dire ça? Veut dire ça, Allah défend ça. Ça, Allah défend ça. Allez, coste. Faudrait ça? Ça, les vins vivant dans moi, frère. Parce que quand on prend ta confiance, tu places le banc qui alentour de toi, insan comme toi. Frère, il est là pour rester. Mais quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il vous défend toi. Chers frères et sœurs, quand une personne il vit avec ça la foi là, mon fier moi qui ken kena iman, pas mon frère mon fier moi musulman, non. Mon fier moi qui ken kena iman, la foi, mon dit un seul Dieu. Mon mort avec ça, mon cause li. Vous connaissez Allah qui change beaucoup de choses. Tous les temps, alhamdulillah, nous connaissons ayat là. Wastarinu bis sabri wa salat. Demande Allah aide à travers la patience et à travers namaz. Quand patience vient avec namaz là, essayez de faire ton namaz un petit guide plus long. Développe la patience là-dedans. Toi habite il y a 10 banti soura. Trappe courante, commence à faire longue soura. Développe la patience de ton namaz. Toi habite faire le coup de 3 secondes. Fais-le dans une minute. Tu as habitué à faire des rakats dans 4 minutes. Fais-le dans 10 minutes. Pas de imam, non, tout seul. Gette la patience, comment venir. Si mon récit développe la patience dans mon amas, dans la vie de tous les jours, il vient normal. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous après. Inna Allah amara sabirin. Allah avec moi qui a la patience. Qui fait? Parce qu'il tout de suite lui montre nous. Quelque chose qui te croit, au fait, il n'est pas comme ça.
Qui Allah dit à nous? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, pas dire ban kin mot de chemin Allah, c'est ban mot. Bal ahya, c'est tellement autre vivant. Ça qui mort, Allah fait vivre vivant contre lui. Moi, quand je peux être là, il mort, je veux dire que ça, il quitte nous. Il quitte nous, ou bien il est à côté d'Allah. Toi, tu peux dire l'inmo, ou bien l'inal vivant côté Allah. Combien de choses Allah sans dire, frère? Ça qui est impossible, il fait vivre? Il fait vivre possible. Parce que ça, le monde pour lui, frère. Lui-même, il crée le monde. Le monde sous sa responsabilité. Il fait lui comme il a envie. Si l'indien nous saisit un jouet, ça, saisit une question inutile, connaît la vie là comme ça même. Ensuite, il dit à Ya Rasulallah, ban cause qui ban nap et dielle ou toi. Certainement, ça fatigue toi. Mais nous tous faisons partie là-dedans. Ou pour gagner lui. Mais en même temps, cher frère, connaît pour gagner Djanna, il n'y a pas une petite chose. Il n'y a pas une petite chose. Pas van dounia pour nous capables. Pas van nous digne pour nous capables de gagner un bout de dounia, frère. Parce que ça dounia là vraiment li, inutile. Et pour gagner Djanna, il y a une petite chose de grande. Des grandes valeurs. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un. Mufinjeza ki je vous entendez. Astaghfirullah li wa lakum. Demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour ma épouse. Wa li sa'iri al-mu'minin. Et pour tout bon croyant. Fastaghfiruhu. Demande-ni pardon. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda. Tu es l'ouche pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout seul. Wa salatu wa salam ala man la nabi et barda. La paix et bénédiction de celui qui n'a aucun messager après lui. Amma bad. Et ensuite, moi, du grand matin, nous lever, tout nous mal. Dans le travail, arrive les zohar, dans le zohar, tout nous mal. Arrive 4h, 5h, tout changé. Qui n'arrivait un moment de contentement éclaté qui fait la rabine battre l'enzantine. Ok, tout riait, tout content. Il se déteste comment changé. On ne trouve pas avion, la rabine commence à venir. Il y a absolument, comment dire, l'islam qui nous fait la victoire. Ça même l'arabique de quelques semaines dès cela, il fait Halloween, qui haram, tout ne trouve ça pas bon. Ça même l'arabique de mois dès cela, ce ministre dit comme ça, tu viens faire had sans mahram, qui pas gagné droit, je tout trouve lui bon. Sorry, je tout trouve lui pas bon. Mais seulement comment l'équipe football gagnait, nous virer même. Qui n'arrive toi? Excepté c'est du fanatisme. Nous ne participons pas aux dînes là. Parce que si nous participons aux dînes, tu fais Halloween, mon budget toi, haram, même toi l'Arabie, même toi Qatar, même toi Dubaï. Tu dis pas voyage sans mahram, mon budget toi, tu perds la compte, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole. Même toi l'Arabie, même toi Qatar, même toi Dubaï. Tu gagnes Coupe du Monde, mon budget toi, il pas bon, même toi l'Arabie, même toi Qatar, même toi Dubaï. Un seul instant. Il ne faut pas couper tranché, frère. Malheureusement, nous rentrons dans ce jeu-là. Non, un coup comme ça. Mais un coup comme ça, il suffit pour un dimoun. Il rentre dans l'enfer. Encore, on trouve un jeu-là, il dit, mais si, j'ai eu les motricots. Tu as un match malin. On dirait que ça fait où, imagine l'époque 91. On dirait que quand les scouts commencent à gagner ce premier match avec ce Dibinga, c'est tout cause de la ligue. Il y avait connu encore 20 matchs pour rouler là. C'est du fanatisme. Est-ce qu'il vraiment, ça, à l'époque-là, comme moi, tu peux dire, ça haram, là, moi, tu peux cause dîner l'islam ou bien là, comme on ne peut pas gagner toi. N'importe qui, ça, là, qui fait un kitcho, allant qu'on dîner l'islam, il est haram. L'autopavion, il n'écrit n'importe quoi. Ça qui est haram, c'est, il reste haram. Il y a absence, non, il. Non, un moment de contentement nous réjouir. Vrai? Qu'on est capable d'un moment de contentement nous réjouir. Chers frères et sœurs, nous rentrons dans ma zide, surtout nous là. Combien de passeports ça à la porte là?
Combien il passe avec Huzaïfa qui est l'ONCS roulante là? Regardez devant vous autres là. Combien il fait les salams? Il pas connaît mon Dieu ça là. Sa garçon là m'a connu depuis son naissance, il y a un handicap. Regardez bien ces là. Est-ce qu'il nous connaît qui depuis mercredi sa garçon est venu à Hafiz Kouran? Il y a un handicap, il n'est pas incapable. Il prouve nous, frère. Ça nous pas réjouir de nous l'endroit. Il y a un nouveau Hafiz Kouran. Et des enfants là, comment était? Quantité Zéfo, il passait à l'orier. Des lits, de ses parents, de ses bonnes familles. Pour ça, dit ses enfants là, capable, mémorise parole Allah. Aujourd'hui, nous trouvons les handicaps, les 16 roulantes. Nous nous bien. Mais Inch'Allah, Dadia, n'a pas pareil comme nous. Mais ce Daradia, comment vous êtes? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître ce qui nous pourrait jouer, frère. Qui vous dit, maintenant, avec la cause, le récit mémorise courant. Ou quoi ça? Sa frère-là, il n'est pas mémorise courant pour finir imam. Sa frère-là, il mémorise courant parce qu'Allah, il choisit lui. Malgré comment tu étais. Quand moi étais aujourd'hui, frère. Nous rentrons là, personne ne peut pas connaître. Mais si pas, il y a des gens qui mettent costume, place d'homme, là, tu peux assister là. Demande-t-il que nous aujourd'hui. Ou vous êtes 16, ou vous êtes 16. Donnez des 16 plastiques. Qu'est-ce qui s'en a qui nous valorise aujourd'hui, frère? C'est lui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, dit il y a une bonne famille. Ahlouka wa khosotouk, en la famille spécifique existe pour lui. Wahum ahlul Quran. C'est ban qui? La famille Quran, ban qui mémorise Quran. Ça, c'est un enfant, Pierre, c'est un personne, pas connaissé le nom. Je dis bien, à aucun moment, personne de sa famille pas n'approche moi là. Mais seulement, nous avons connu qui nous peut réjouir à l'os. L'Arabie gagne nous réjouir, mais qui n'arrive nous? Mais pour ces enfants-là, qui nous fait? Laquelle qui vraiment digne là-dedans là? Te DN ou bien ces enfants-là, fils? C'est un simple exemple, frère. Dans la même semaine, Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'exemple. Gaieté dans laquelle te trouves-toi et n'applique contentement. Est-ce qu'il y a de l'endroit, il y a un nouveau affiche courant, ou bien tu témoins de l'histoire, l'Arabie bat l'Anzantine. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide pour continuer à faire sa révision. Parce que ça est appelé difficile qui vient après. Après le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde pour ses parents, récompense qu'il ait une promesse de Dieu. Et surtout ce professeur qui finit tous les jours, tous les soirs là, pour faire lire, apprendre et réviser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous fiers, chers frères, qui nous n'a la ilaha illallah de nous l'écrire. Wallah, pas faire nous vendre sa dîne pour dunya. Fais nous vraiment réjouir. Fais-nous à l'exemple de ban qui avant nous, difficultés qu'ils ont gagnées. Nous comprenons qu'ils ont dit, vous ne faites pas qu'il y a aucune difficulté là. Pas la cause de ban qui a une promotion, de ban qui a une difficulté. Et il y a beaucoup de difficultés plus que ça, ban qui avant une passée. Mais seulement si moi, il y a Allah avec moi. Je ne vais pas prendre personne, frère. Oh Allah, viens, toi, mon défense. Fais-moi gagner sa tranquillité. Quand on dit et te pour défendre mankena iman, fais-moi gagner tranquillité là-dedans qui me place ma confiance le aucun insan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qum li salatikum.